John Joel Joseph. Eh bien, la société. John, qui est non, qui était cité dans le cas d'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. John Joel, ancien sénateur de la République. Eh bien, écoutez la société. Qui ça, John Tabvin fait? Monsieur Guenlay, c'est une intention dans le gouvernement de Montéa, dans le gouvernement de Sanoa. Monsieur Tabvin, premier ministre là-dedans. Son pays difficile. Alors que John Joel Joseph, ça, John Joel Joseph, ça, attendez, monsieur était dans soi-disant opposition politique là. Mais monsieur était rejoint le groupe Samuel Aria à la dernière minute. Qui prend pause à vie de manifester, qui a dit, oh, faut que je vienne l'aller. Alors que monsieur était bien agenda par lui-même. Parce que, dans même opposition politique, ça, tu as plusieurs présidents. Tu as un bord, tu as chauffé Madame Koch, Edwin Koch Tello. Écoutez, eh bien, le simple fait que Edwin Koch Tello, il y a des gens qui te mettent dans la tête que le Kavin président. Et nous faisons un rappel ça. Parfois, la famille m'a fâché. Est-ce que c'est vrai? Et il y a un monde qui t'a supporté Madame Koch, c'était Jean-Charles Moïse. Eh, moun m'a lié. Et nous avons une conférence. Dit que nous sommes déjà, nous discutons. Nous étions, ouais, nous sommes proches. Coup de cassation. Et puis, fanatique, il dit, bon, maman, son pays difficile, Haïti, ça. Mais il faut faire ça. Tu rappelles, il important. Famille moun qui t'a supporté Madame Koch, c'était Jean-Charles Moïse. Mais, il te croit quand même d'avoir une transition. Pendant qu'il a chauffé Madame Koch, neg SDP branche Yuri La Tortue, branche André Michel, il vina avec yon maître mécène Jean-Louis. Yon gen mécène Jean-Louis nan men yo. Et Jonathan André, ben tu rappelles yon, fais un chiffre yon là. Yon gon maître mécène Jean-Louis. Et puis, je ne vais pas parler de lui. Quand André a bien passé, il doit songer grand monde là. Je ne vais pas parler de lui encore. Il te dit c'est lui le président pays. Ya. Pas un problème. Ouais, bah, il s'en fait. Tu as un maître de Brésil qui est en prison. Prison. Parce que tu as semblé dans un complot tout, tu es quoi, tu as vu le président. Et bien, tu vas passer dans le pays là, non? Maître de Brésil, il vit quel de Brésil? Et bien, il a humilié Dimitri Erard, humilié monsieur. Mettez le coucher plat à terre. Mettez une vidéo ça là. Mais les humiliants, m'balagé li. Eh bien, pendant que vous avez fait toute planification ça, John Joel, il passe plus haut. Elle passe plus haut. Parce que Jean-Rich Paul, il va l'attaquer. Eh bien, mon petit rappel, vous faites. Pendant que vous avez fait tout bagaille ça, yo. Et puis John lui-même lui passe piro. Monsieur passe piro lui-même. Lui dit bon, n'ayon retardé à bêtiser. Moi-même, faut me gagner plus gros contact. Parce que monsieur Sanon, un Sanon. Monsieur dit lui-même, c'est le département d'État américain qui voit elle. Attendez, oui. Monsieur dit c'est le département d'État américain qui voit elle. Ça veut dire John Joel Joseph qui est en well, qui l'assuré. Lui, ouais, qu'elle est en well. Il est en well dans le royaume, non? Il est arrivé dans le royaume. Kounia, John get a fait vieux rêve là. Ou comprenez ça tout? Parce que tant ouais qu'elle n'est arrivé dans le royaume céleste là et puis il chita à droite papa. Kounia plein qui est en montée. Christian Emmanuel Sanon pour le président. John Joel Joseph pour le premier ministre. Ancien sénateur de la République. Mais son pays difficile. Kounia pour John maintenant tête lui. Il a pris le premier ministre pays d'Haïti.
l'on est premier ministre, moi je vais jouer bagay ça. Son gros responsabilité. Quand on a un président qui pas fin trop bon, mais où doit un PM qui correct, oui? Parce que c'est lui-même qui a administré, qui a manage le gouvernement. Eh bien, écoutez, eh bien, la société nouvelle a tombé dans un coup de zèkle, je dis, hein? John Joel Joseph, ancien sénateur de la République, nèg tiot, dans le sud-est pays. Et nous l'avons joué là, tellement gens nèg sud-est qui nous ont cité, son bail grave. On regarde, bon, on regarde, pourquoi? John Killa, nous nèg sud-est, nèg tiot, dans Jacmel, James Solage. Monsieur c'est petit ancien magistrat tête calé agent exécutif intérimaire Jean Solage dans Jacmel nèg Montchil dans Montchil dans sud-est bon gardez toi yo arrêté avant la magistrat Jacmel la kike ça nèg plateau central li converti en nèg sud-est pas de problème nèg plateau il converti en nèg sud-est vous comprenez yo fouke monsieur avant la nèg sud-est bon yo di badio oh badio dans sud-est yo di oui. Et Badio, Badio nèg sud-est, oui. Hein? Christian Emmanuel Sanon. Oh, nèg sud-est, oui. Nèg sud-est, papa. Nèg sud-est. Vous comprenez? Bon, moi-même Michel Matéli, un parrain. Je dis, parrain lié. Parrain. Je vais te présenter pays à Jomo. Pas connaît. C'est monsieur Tevin là, lui présenter pays à Jomo. Et parrain lié. Eh bien, non, sud-est, oui. Quand est mouché sorti là, Bénin? Eh, pas Bénin, non. Comment vous avez arrivé encore? Et pas bien, côté Miki qui sorti là. En bas là, oui. Miki, côté sorti, comment le encore? Et bien dans zone Bénin, oui. Nous sous Bénin, en Bénin, oui. Et nèg sud-est encore. Et bien nèg sud-est impliqué là jusqu'au cou dans tout le Jovenel. Et bien, Zami, ça, ancien sénateur, John Joel Joseph. Finalement, la société, monsieur, ouais, bon, pas gain ou pas bois. Rudolf Diar, monsieur était déjà plaidé coupable et monsieur condamné à perpétuité, monsieur condamné à vie dans quatre dossiers ça. Et puis, pendant qu'on a parlé là, jeudi à qui c'est 19 décembre 2023, eh bien, ancien sénateur l'Ouest là, John Joel Joseph, monsieur condamné pour le passer toute ville dans prison aux États-Unis. Non, monsieur, t'es cité dans tous les journaux, et puis il plaide coupable. Et c'est ça, m'dab dit. Côte de fer sorti. Côte de fer. C'est même ça, m'dab dit dans le dossier Guy Philippe là. Oui. Moi, pile, moun là, tombe jouré par l'empile, mais vous l'avez, Guy Philippe. Mais Guy Philippe, t'es plaide coupable. Quand vous avez dit non, t'es plaide coupable, eh bien, vous t'es baillé menton. Sous baillement temps pour qu'a réduit peine nous mettre là qu'on y a accepté conséquences comprenez parce que me connaît prison en pas douce mais comment t'es fait arriver là-dedans parce que pour ça non tout le monde qui gagne dans pays pour ça c'est où blabla on pas un problème partisan li fâché mon gars supporter oh bagay Guy Philippe libérateur le sauveur pas un problème moi pas rentrer dans baïsa cependant Guy Philippe plaide coupable. Il veut des coupables. Ça dit, s'il veut des coupables, ça veut dire reconnaître fait ou te reprocher. Eh bien, John Joel Joseph qui te plaît des coupables. Sous l'ossier assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, je dis à un juge fédéral dans Miami qui prononçait sentence, monsieur. Eh bien, monsieur condamné là pour le passer toute Resville dans la prison. Ça veut dire John Joel Joseph, monsieur, c'est deuxième condamné dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Premier condamné, c'était entrepreneur, homme d'affaires, l'ami de Michel Martelly, Rodolphe Diar. Monsieur qui était plaidé coupable également, comme une nanette qui était financé assassinat Jovenel Moïse. Eh bien, moun nan sud-est, les partisans de John Joel Joseph, eh bien, justement, qui est-ce qui condamné déjà? A gen deux condamné déjà? Pourquoi John n'est pas troisième? Quoi est troisième? Oui, John nan est. Qu'est-ce qui condamné déjà encore? Hein? En tout cas, monsieur, entre deuxième et troisième condamné, nous sommes jetés comme premier condamné.
mais c'est Odol Diam songer. Bon, de toute façon, pour Haïti, je crois c'est deuxième condamné à là. Ou on a pas un Colombien condamné. On croit qu'un Colombien, oui, et colonel là. On croit qu'un Colombien condamné. Mais pour Haïti, John Joel Joseph, c'est deuxième condamné dans le cas d'assassinat, eh ben, ancien président Jovenel Moïse. Donc, bayon ti kras mélangé, compliqué. Donc, les partisans de John Joel Joseph, il y a des partisans quand même. Les partisans de John Joel Joseph, famille, zami John Joel Joseph, eh bien, je dis à la, tout ça, la passé toute 13 villes dans la prison. Et si vous avez envie de faire pour John, c'est dans la prison fédérale, dans les États-Unis, dans l'État Floride, et bon, pral faire vie rêve ça pour lui. Bah, il y a un petit crasse difficile. Vous comprenez ça, Ndo? Eh ben, une déclaration qui fait peur. D'après ça, juge l'a déclaré. Attendez bien, oui, la société. Ça fait peur, oui. Il dit, côté tenté ou non, dans l'assassinat, ça, eh ben, ou entrer dans une zone difficile, dans une zone dangereuse, dans une zone dangereuse. Ouais, côté tenté ou non. Adieu, debout, on t'en a planifié. Debout, t'en a planifié. John, troisième condamné. Yeah, m'kwe troisième condamné. Et pour nous, Haïti, deuxième, oui. Ouais, Vincent, vous condamné. Vincent, plaît des coupables. M'kwe Vincent, plaît des coupables. Mais le pour condamné. Ok, mais pour Haïti, m'kwe John, c'est deuxième condamné. Vincent, monsieur, plaide coupable, même pas quoi le condamné, non? Joseph Vincent. Hein, faut me regarder ça. Même pas quoi le plaide condamné. OK? Mais, eh bien, d'après ça, eh bien, juge l'a dit là, c'est que des bons négociants n'ont participé, ou bien ont été dans réunion, ont été dans chita parler à nèg, dans le cadre de l'homme, ça. Pas inquiété ou dans mauvaise zone. Ou non mauvaise zone, ou on prend ça dou zone ça son zone fragile, son zone dangereuse, donc en pile bagarre qui arrive. Eh bien la société c'est l'information, John Joel Joseph monsieur condamné pour le passer toute 13 villes dans prison. Gen nèg la qui pas dormi, kay au sous biscuit kay a sauté, eh bien pense son leçon qui baille. Pour ne pas jamais yon fois encore dans vie non, tenter assassiner pas seulement président non, mais quel que soit moun nan, mais surtout yon autorité élue. Nous avons manifesté, nous avons demandé démission, ça arrive dans tous les pays du monde. Mais attention à la ville, ça sont l'autre détail. Et je pense que quel que soit mon nombre, réfléchir sur ce dossier. Oui, merci, Luxon. Oh, oui, oui. Et ça me connaît. Oui, John, c'est. Oui, ah, mais ça me dit, oui. John, c'est deuxième haïtien qui est condamné. Donc, il vient faire troisième monde qui est condamné dans quatre dossiers. Vous comprenez? Mais Vincent, je suis plaidé coupable lui-même. Pour vous condamner, oui. D'accord, oui, là, sous point ça. Merci. On va aller vite. L'État a démissionné. Et ça te fait les mounèg, ses chefs. Surtout des CPJ. Et vous voulez faire malheur et malheureuse abus. En vérité, c'est comme cap déchiré. Parce que malheur souffre trop dans le pays, ça, monsieur. On pas besoin qu'on moun. On pas connait moun. Yo libéré ti garçon te fait 10 ans en prison. On pas connait, monsieur. Mais là, monsieur, appelez monsieur, relève chaque jour. Mon comment le faire, mon numéro de cause, pour la plein sol. Yo libérer monsieur Jodi, à m'a des commissaires gouvernement. Continuez dossier, yo abjoint un pile innocent qui a plein d'ailleurs. Mon lot tibiti lamdo qui sous 5 ans, yo arrêté monsieur en place son frère, commissaire. Ou gen dossier dans mon ou est c'est un misère fait malheureux. Attendez, le garde dossier. Monsieur dit le dévoiler des laptops pour le payer l'école. 10 ans le passé en prison, yo va jamais voyer le devant juge. Et ça m'a dit non, monsieur. Allez, son pays difficile, les gros malheurs qui fait j'effort là-dedans, pas rendre la ville plus compliquée. M'a démonté nous, pas qu'en pack. Quel que soit rang social nous. Depuis nous fait malheur et abus, c'est moi qui fais abus. Parce que nous sommes dans la classe défavorisée. L'en fait malheur et ça, abus, nous sommes j'ai maman. Son chance que m'y ait. Parce que même ça l'a fait mon yo, a t'en déca fait ni tout. Son chance que m'y aime pas à terre avec nous. D'ailleurs, vous fréquentez qu'à faire ça, puis mal.
remettre mon l'argent yo. Talem dit nous volo. Quel te baf force, quel te konal, quel te bac, remettre mon l'argent yo. M'a besoin qu'on qui baf force, l'argent pour nous bail DCPJ, remettre cobla. Ça qu'on a vienne chercher là. Qu'on a la rendre ça pour régler. Depuis qu'on a venir qu'on a libéré dire tout manger lui. Debout avec cobla dans konal, yo tout manger. Malheureux qui a bousqué la vie. Remettre mon l'argent yo. Tendez bien. Mais ça grand nèg yo fait pour yo kembe pays ya dans gorge comme ça pour yo rendre que ces bandits comme si qui ka piafé dans pays ya. Pardon web DCPJ a fait malheureux abus là. Ti marchand ka bousqué la vie. Ça pour quoi hein? Est-ce que nous te connais pendant n'a parler là la société? Gon gros business qui ouvre sous gracier là. Et t'as cherché pour nous. T'es pas vraiment oublié pour me parler de Dubaï ça. Son business qui ouvre Grecier là. Pendant où tu l'as bloqué là. Pendant où tu es bloqué où tu l'as Mariani. Et ça belle là, ça triste là. Chef gang Tigresse. Bon, bien que c'est renfort tout il a appelé mandé parce que t'as semblé. Et Gomba et Katmanigan, c'est là, il a appelé Iso, base Pilate, Mano. Et bah, Tibaï Katé là, non? Pour me quitter, on ne peut pas parler sous ça. Si bon Dieu t'a fait un miracle, il t'a bon pour nous. T'as des tilapli au demandé renfort. Mais entre temps, m'attend des tigresses, chef gang, deuxième chef gang Mariani. Monsieur Levé, il vient débloquer la rue. En y'a pas arrivé. En y'a pas arrivé, parce que la rue a vide, il fait ça au vle. Vous comprenez? Pas de autorité. Ça dit, il bloque la rue et il débloque la rue. Eh bien, t'as dit non. Pendant où tu l'as bloqué, sous besoin de sortir Grecier pour aller au Gan, à tes marchandises, ou à pratiquer un autre saillot. Et qu'on y a pour tiquer un autre, il y a une image, je ne peux pas montrer, je ne peux pas vous montrer. Qu'on y a pour tiquer un autre, il y a un accosté, pour y venir là, pour y venir poster, pour y prendre un marchandise, pour y aller. Il faut y aller. Il n'est pas gratis, non, papa. Oh, comme si vous pensez, pendant que vous bloquez la route, vous avez contrôle la mer. Comme si vous pensez, parce que vous la bloquez, et vous avez vu la ticket en ordre, vous avez marchandise, allez, non, pas comme ça. Faut avoir respect pour le chef. Faut payer le chef. Ça veut dire, tenez bien, oui. Pendant que Mariani bloqué, ça veut dire, pas de circulation véhicule. Pas de circulation par voie terrestre. Eh bien, vous créez circulation par voie maritime. Et qu'on y a le fait que malheureux, malheureux, il faut vivre. Yo utilise ti chaloupe yo la pour yo pratiquer en note pour yo prendre marchandise traverser de l'eau saut Grecia Léogan Grecia etc. Eh bien pour yo camper là faut yo payer boss et avant hier m'a regardé une image nèg yo vini zam yo nan men yo et puis y a constaté dans station ti chaloupe là y a constaté y a vérifié est-ce que tout le monde a quitté. Est-ce que vous acquitté à l'autorité? La jeunesse font des frais. De qui ça n'a pas parlé là? Et pour madame territoire perdu, elle va gagner pour le faire acte de wetli. Écoute, moi, je vais mais nous allons garder ça tout à l'heure. Parce que vous allez nous éclater dans le pays là. Ok. Qui donc? Ça, c'est un territoire perdu. Jean-Madame, nous avons dit. Qu'on y a en aller là. Pendant un territoire perdu, parce que gondé zot k'ap fèt la n'a mandon ti concours ak peyi a gang exam nèg yo décidé prend tout territoire yo capable m pa vle mete m nan position pou m paraît comme yon défenseur sans limite de Muscadet. M pa gen tan télécharger image professionnelle que nous prenons sous dossier ça, il m'a tout lancé son message à un journaliste dans le pays. Comme nous frères, nous-mêmes sommes un coup de main à la République. Peut-être même nous avons des superstar et d'ailleurs, superstar, c'est un bras cité non. Un journaliste qui est Gary, monsieur travaille pour Flanex FM. Geste ou fait jodi a li pas bon et pas jamais tenter faire ça encore frère. Gary qui travaille pour Flanex FM. Loal non on dossier si un journaliste qui est en prend un angle que l'estimer que le gars image ou pas qu'avine basculer le poussel comme si c'est route ces journalistes. Je fais respect nous.
nous tous sont petit coup de main à bail pays. Donc geste ou faire pas jamais faire et m'ta même suggérer qu'on présenter excuse. Là faire émission soit faire émission marronne. Gari dans radio Flanex FM dans ni pays. Donc désordre ou faire pas faire encore. OK frère. M'pa gen temps mettre image professionnelle nous mais en gardons image amateur. Mais ça amateurisme politique qui n'a pouvoir tête Ariel Henry tête calée troisième version avec madame ça qui la madame Emily Prophète Milce. Mais ça n'a pas créé des détracteurs moi qui a dit que oui yo traverse il a cherché la vie yo aller parce que les fouille avec insécurité et stabilité politique qui gagne dans le pays. Et dans ce sens, nous pensons que échange, débat, c'est important pour nous faire parce que c'est à partir de ça, nous avons capables de faire un plus bon moyen pour nous aborder les problèmes qui sont que nous gagnons dans le pays. Ça fait quelque chose. À part ça, comment nous-mêmes, dans le niveau gare, nous décrivons la situation générale migrant, surtout en République dominicaine, côté question rapatriement, il n'est pas campé. Bon, Fondi, c'est un tableau qui est vraiment sombre, qui réalise la vie migrant, surtout en République dominicaine. C'est partout dans le monde que Haïtiens subissent discrimination, mais en République dominicaine, c'est une situation qui est vraiment lamentable, qui est vraiment triste. D'ailleurs, nous sommes capables de dire qu'en République dominicaine, c'est une véritable chasse aux Haïtiens. Côté, peu importe côté Haïtien situé dans la rue, dans le travail, la caille ou bien dans l'hôpital, il y a des chances pour nous arrêter. Et pas seulement parce qu'il y a une situation régulière, mais uniquement parce que c'est haïtien, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de papier, ils ont vérifié si ils ont une situation régulière ou pas, ils ont arrêté. Donc, des fois, ils ont arrivé sous frontière avec tenue de nuit. Et le plus dur, c'est qu'ils ont arrivé sous frontière à 2 000 de pays, parce qu'ils n'ont pas, même il y a possibilité pour prendre l'argent qui ont été là, caillou, économie, etc. Ou bien, ils ont un document important. Et là, ils sont venus avec documents, ils ont fait quoi, ils ont saisi documents, et ils ont entré dans le pays sans un document pour t'identifier, sans même un téléphone, parce que ils prennent un document, ils prennent un bail, donc, c'est un tableau qui est vraiment noir. Et pour année 2023, nous avons eu un pile mouvement. Et si au départ nous avons plus rapatriés qui rentrent dans le pays, mais dans ces années-là, depuis septembre, nous avons plus retour spontané. Ça veut dire, en fait, rapatriés, c'est là qu'ils ont arrêté maintenant et ont pris de force pour mener dans le pays. Mm-hmm. Eh bien, retour spontané, c'est là qu'ils ont même décidé de rentrer dans le pays de par lui-même. À partir de novembre, à l'état, nous avons plus retour spontané que de rapatrier. Ça veut dire qu'il y a plus haïtiens qui décident de rentrer dans le pays. Pourquoi eux? Parce que ce n'est pas arrêter pour rentrer dans le pays. Donc ça montre que haïtiens finalement vivent une situation qui est insupportable et pour échapper avec toute maltraitance que leurs confrères ont subi dans les autorités dominicaines, ils ont mieux décidé de rentrer la caillou sous contrôle. Et donc, ça montre que effectivement, il y a une nécessité pour l'État haïtien lui-même de faire pression sur l'autorité de la République dominicaine pour au moins respecter les droits haïtiens. Et respecter les droits haïtiens et permettre que le traitement qu'il a subi, c'est le traitement que le monde subit, nous traiter avec respect et avec dignité. Actuellement, on a parlé là, nous sommes capables de dire que tout haïtien qui est en République dominicaine, tomber en situation irrégulière. Parce que comment ça fonctionne? Mm-hmm. Même si un haïtien a gagné un passeport valide, même si il a gagné un visa sur passeport, il est obligé à le checker chaque mois pour que il soit capable de rester en situation irrégulière. Mais depuis tension qui a gagné entre deux pays depuis septembre, possibilité pour haïtien à le checker n'est pas existé encore. Donc ça veut dire que tout haïtien qui est en République dominicaine est obligé de non cacher dans ce pays pour traiter aux unions, il y a une possibilité pour arrêter. Donc la situation ça n'est pas épargnée à la formation. Il
femmes enceintes, les grands mounes, les petits mounes, donc catégorie qui est vulnérable, malheureusement, yo tombé en bas dans situation pareille. Côté agent migratoire dominicain, qu'on même aller dans l'hôpital, à l'entendre une femme enceinte qui a rendez-vous médical. Donc c'est vraiment ça, tableau triste haïtien qui a vécu en République dominicaine. Et qui ça chiffre, puisqu'on parle de quantité haïtien qui ont même décidé de retourner volontairement. Nous avons un chiffre sur ça? Ok. Pour nous faire comparaison entre retour spontané et rapatrié, on dit pour moi, novembre, non, par exemple, nous gagnons 23 147 rapatriés. Alors en fait non point officiel lieu comme non point officiel lieu, alors que pour retour spontané nous gagnons 29 655. Donc c'est ça la situation. Mais on dit pour année en général, de janvier à novembre 2023, nous gagnons 492 140 haïtiens qui ont évolué en République dominicaine et qui rentrent dans le pays. Parmi nous, nous avons 224 614 rapatriés et nous gagnons 216 030 retours spontanés et 51 496 refoulés. Et c'est pour toute année, hein, c'est toujours même violation de l'harmonie que nous recensons. Peut-être utilisé gaz lacrymogène dans la prison pour maltraiter les migrants haïtiens, ils utilisent des bâtons, ils utilisent des courants électriques et ils utilisent des armes pour maltraiter les migrants haïtiens, malheureusement. J'ai dit tout à l'heure, pendant toute l'année, hein, nous recensons de. En fait, il y a un paquet de cas de violation, d'agression sexuelle. Et il y a des cas de viol tout que nous repérons. Et dernier, c'était ça qui s'est passé le 22 septembre dans l'aéroport international La Sandicat avec Stéphie Graff, Cadichon, qui était violé par un agent douanier en République dominicaine. Et comment on arrive ce dossier ça? Et comment ça a fini? Bon, et jusqu'à présent, il était vraiment difficile pour nous rentrer en contact avec. Victime non bien avec famille parce que peut-être t'es gain choix pour te timber dossier ça entre personnel, mais nous pas vraiment connaît comment ça a fini, mais nous te connaît t'es gain de action en justice qui t'est tentée et pour que victime non était finalement jeune justice selon pas qu'elle était subie, mais actuellement nous pas qu'à dire comment dossier ça à l'hiver n'était fini. Tout à l'heure, Sam Guillaume Mousseau a parlé de situation. Alors, je m'appelle les citoyens haïtiens qui ont même trouvé dans une situation irrégulière à cause qu'ils pas capable à le checker, renouveler, on sait des documents. Mais moi, j'ai gagné un pile plein tout, bon côté haïtien qui est en République dominicaine à cause de difficultés qu'ils ont gagné pour renouveler passeport. Donc là, c'est responsabilité Haïti dans cas ça. Oh, bien entendu, et on dit bien que malheureusement l'État haïtien contribue dans mettre migrants haïtiens dans situation que yo y a. Parce que sans un document d'identité, on va pas entreprendre rien véritablement. On déjà même si haïtien il gagne passeport lui ni obligé d'en cacher parce que ça arrive à des petits moments yo arrivé sous lui, alors que nous avons pas qu'un haïtien que l'État pays nous pas en mesure pour yo délivrer un document aussi important que ça qui se passe pour yo. Donc nous c'est un droit que haïtien a gagné pour nous circuler, pour nous voyager, et c'est un devoir pour l'État haïtien pour lui procurer citoyen ça yo de documents d'identité, de un passeport. Nous, même si on est en dehors du pays, on doit bénéficier de protection de l'État. Yo. Et les pays, l'État pays, parce que quitter mon yo comme ça en République dominicaine, c'est exposer ou exposer à toutes sortes de situations
empêcher tout entreprendre des activités en cours pour les gens à l'école. Et en même temps, parce que non, pas délivrer les gens à un papier important à faire au besoin, c'est un ensemble de leurs droits que vous empêchez les gens à jouer. Tant qu'on droit à l'éducation, parce que sans document ça, il n'y a pas qu'à avoir étudié l'école. Donc, nous pensons que c'est important pour que l'État haïtien prenne tout ça au sérieux et permette que Haïtien qui a évolué dans le bon territoire, en particulier ça qui est en 2020, nous sommes capables de jouer un document de passeport et nous continuer à vivre comme ça doit. Parce que, et permettre que nous avons Haïtien en un pays, à coup de pays, à procurer de documents d'identité, à procurer de passeport, c'est freiner la situation voyage irrégulier. Donc, en pile Haïtien qui quitte le pays de façon irrégulière, c'est parce qu'il fait plusieurs tentatives pour dire une pièce d'identité, c'est parce qu'il fait plusieurs tentatives pour dire un passeport, il parle des jeunes, finalement, il est obligé pour une route irrégulière qui, mettre la situation soit pour perdre la ville ou bien pour vivre de expériences regrettables que le pape jamais lié dans la ville. Et nous pensons que l'État, le pays, pas supposé permettre que petit niveau à vivre de situations pareilles. Voilà. Merci un peu, Sam Guillaume. Merci à tous. Sam Guillaume n'a pas rappelé c'est responsable communication à Caplé Doyer dans un gare matin. Nous avons profité de journée mondiale migrant et vous faites si parler à court et connaît situation générale migrant en République Dominicaine côté en pile haïtien à plaigner à cause y a pas gagné une difficulté pour renouveler document y a tant coup passeport n'a pas quitté dossier mis immigration pour nous à parler éducation puisque gagné environ 35 979 candidats qui a participé dans première session baccalauréat permanent pour année scolaire 2023-2024 là. Nous allons parler avec Étienne France Lissel, directeur départemental éducation l'Ouest concernant dossier ça. Directeur, bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Guerrier, bonjour à tous les gens qui sont là et bonjour à tous les auditeurs, auditrices et Radio Caraïbe. Ah oui, dis-nous non, comment le ministère l'a arrivé à organiser, puisque examen SAIO y a fait surtout pour le département de l'Ouest là, qui est en situation difficile avec question insécurité. En pile parents qui déplacés, en pile élèves qui ont même déplacé qui étaient quartiers, qu'on s'est tout gagné, on sait de l'école qui ont même été occupés par de monde qui a pas couru pour question insécurité. Comment ça y est, comment nous arriver à accommoder nous et permettre que l'examen ça y démarre normalement? Effectivement, nous avons une situation, et pas tout le département de l'Ouest, mais c'est surtout ces portes en particulier qui sont très difficiles, mais ça va t'empêcher que. Et année ça encore, nous organiser session d'agadie bac permanent. Et pour le département de l'Ouest, nous avons environ 9 sièges et examen. Et pour année ça, nous avons battu un record. C'est pas jamais tout candidat ça qui participait dans le bac permanent. Nous avons gagné 15,379 candidats qui participaient dans l'examen bac permanent pour année ça. Nous avons là dans 9 sièges d'examen. Et toutes 74 centres d'examen gagnés, tout a fonctionné normalement sans problème. Donc, ça a vint une routine au ministère là, organiser examen. Et quoi, puis imaginez, on a fait examen. Bac permanent, c'est comme je pense, si il y a activité d'examen, t'as fait. Mais, sans parler de nos potes, de ça, examen a fait normalement sans problème. Et candidat, le jeune examen, on attend, pas grand-chose de mauvais bagage. Qui passe dans le centre d'examen, on dit, aux alentours sans examen, tout le bagage passé très très bien. C'est vrai que nous sommes dans une situation extrêmement difficile par rapport à Port-au-Prince. Nous sommes obligés. Nous avons conseillé de centre d'examen que nous avons choisi, qui malheureusement nous avons des difficultés pour nous choisir, puisque j'ai aussi dit là, il est occupé par des gens qui étaient par des déplacés qui étaient en difficulté par rapport à des violences qui étaient dans la zone. Mais nous accommodons-nous, nous utilisons de l'autre centre d'examen.
nous montons vers Delma et nous montons dans une canapé vert et nous descendons des armes qui vraiment appropriées et qui répondent à tout ça nous avons mieux et tout bagage jusqu'à présent tout bagage passé très 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 bien. Et en ce qui a trait avec des zones difficiles d'accès, yo, et qui mesure prend en ce qui a trait à candidats et candidates qui ont même été dans des zones difficiles qui sans doute t'as doué un obstacle pour être capable d'arriver dans le centre d'examen. Yo. Bon, non, il y a des mesures que nous prenons dans la conférence de presse qui nous débat récemment, nous avons dit que toute disposition de prendre pour que. Centre d'examen, nous choisissons des centres d'examen qui sont appropriés. Il faut que si on a bien accès à la donne quand même. Et disposition de prendre tout pour nous traverser à avec et copie. Et des testimonies qui dans des zones difficiles, il ne faut pas traverser Mariani, il faut traverser les Canaan, il faut aller à Lagunal. Et bien nous avons toutes dispositions depuis le week-end. Là. Donc tout examen est arrivé à temps. Donc, pas de gros difficultés pour ça. Mais il y a des autres mesures que le ministre a pris tout. Un candidat, par exemple, qui était inscrit à Port-au-Prince, si il trouvait dans la zone Jacmel, pour une raison ou pour une autre, eh bien, le directeur départemental Jacmel là a fait tout le monde composé, il a fait correction et a voué notre pour nous. Et il va là pour n'importe quel département. Depuis tout le monde est en difficulté, il n'est pas qu'à traverser, eh bien, côté lié à la proposer. Donc, c'est disposition que le ministre a pris pour ne pas avoir un prétexte pour que tout le monde pas qu'à composer côté l'IA. Donc, nous prenons toute disposition pour que année ça, tout élève joue une pension dans quelque chose côté où il y a composé. Donc, nous n'avons aucun souci pour problème ça. Donc, même lorsque tu as raté session ça? Bon, si on raté session ça, justement parce que le ministère, c'est vrai que son chantier, nous, il y a un CPM là qui existe, c'est un permanent évaluation. Nous avons activé n'importe qui l'un et puis nous, les candidats viennent composer. Donc, c'est pas, nous allons être dans une session juillet, en juillet 2024, et pour tout le monde composer. Donc, le ministère a un permanent évaluation qui déjà est effectif, et bien nous avons activé n'importe qui l'un et tout le monde savait qui voulait pour composer. Et qu'en est-il de l'école publique à cas privé qui ou même dans une zone qui est défavorisée dans la capitale là, Port-au-Prince, qui apprenait violence gang à Xamio, qui pas de cal ouvrir porte dans la même date officielle ministère te prévoit, presque trois mois après. Dans quel niveau nous y est? Est-ce que jodi en là, nous avons des chiffres pour dire, mais quand c'était l'école qui était dans la situation ça, mais quand c'était l'élève qui est relocalisé, dis-nous ça que fait dans notre dossier ça. Justement, nous connaissons depuis tant de trois mois dans la situation qui est développée dans le temps Port-au-Prince là. Et ben nous avons un tabac tout côté et des gens qui ont couru pour violence qui sont dans la zone qui sont obligés à dans l'école ça, c'est là où t'es abrité. C'est une situation qui vraiment mettait nous en difficulté puisque il y a environ 20 000 élèves qui étaient privés de l'école de octobre et novembre. Bon, grâce à la diligence directe de l'école ça, je ne parle pas de l'école publique ça. Et qui jouait rejoindre bien entente avec des autres, l'école qui tout prêt, il a dosé l'école privée, il a dosé l'école congrégale, qui prêtait, d'accord, l'école publique, ça a des espaces. Et en bon pas là, voilà, toute l'école publique, ça a eu, tout a fonctionné normalement. Nous avons une seule école que nous pouvons, qui c'est partiellement, et les jeunes ont espace pour loger, je ne voulais pas dire Jean-Jacques, mais nous travaillons sans relâche pour nous. On le plan, parce que le ministère a gagné cela. C'est ou bien que, au plus haut niveau, la plus haute autorité prend une décision pour joindre entre avec mon qui est espace qui est occupé. Mais en même temps, tout, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés pour ne pas faire rien. Il faut que nous fassions pour que les élèves rejoignent un côté pour loger. Et ça fait, nous prenons une décision de conseiller avec le directeur de l'école et nationale. De conseil avec quelques autres directeurs de l'école privée, eh bien, ils ont prêté des espaces, donc c'est un plan B à nous. Donc, toute l'école publique, nous, ça, on connaît en difficulté, ils ont tous joué un côté pour qu'on y a, pour eux, ils n'ont qu'à dire, bah, même s'ils sont minimum, mais au moins, les petits, ils ont arrivé vers le plein de l'instruction. Ça veut dire. Nous, seulement le lycée Jean-Jacques,
qui c'est partiellement logé et nous disons pas sale environ dans collège Paul Robert, institution Paul Robert qui dans avenue Christophe. Bon, n'a cherché espace pour lui, parce que en attendant qu'il prenne disposition pour faire et pour mon lieu aller pour nous petit espace là, et c'est ça nous même n'a demandé besoin espace là, parce que tout le monde élève il y a plus à l'aise la caillou n'a goumé avec gouvernement bien décidé pour que nous retirer et pour je nous rendre avec déplacé pour que nous quitter espace. Mais même si on a quitté espace yo semaine là, il y a tellement de dégâts qui fait dans l'école nationale ça. Pour que gens qui utilisent pour faire charbon, pour manger, il y a des mobiliers qui crasent. Vous pensez que au moins on a besoin un mois pour nous réparer espace ça, mais pendant un mois ça ne va pas arriver tout le monde dehors. On est obligé de jouer nos côtés pour joindre le pain de l'institution en attendant que nous réhabiliter et totalement d'Agadi espace qui était occupé. Donc ça veut dire espace sur toujours occupé, tout simplement, ministère là, joindre de l'autre espace, de l'autre local pour le permettre Simonio de suivre cours, c'est ça? Oui, nous joignons, justement, c'est de concert avec d'accord, des directeurs d'école privée qui favorisent deux trois salles de classe, nous voulons parler de El Shaddai, nous voulons parler de les Sacré-Cœur qui joignent un espace pour héberger nous, et de l'autre école privée tout, qui donne des espaces, et puis il y a l'école publique tout, qui accueille pour nous des cohortes. Par exemple, lycée Toussaint, soit dans lycée Toussaint, dans lycée Toussaint, on va joindre. On partit là-dedans qui gagne lycée Christophe là-dedans, ou bien lycée tout ça qui même pas fonctionné, et ou bien lycée la saline tout qui était vraiment en difficulté dans la saline qui joigne quelques salles. Nous gagnons et des autres partenaires qui aident nous, par exemple, nous gagnons lycée des jeunes filles. Alors lycée pour qu'un lycée des jeunes filles là, spécial, puisque les lycées des jeunes filles sont local qui a pu construire pour lycée des jeunes filles. Donc pour nous joindre justement façon pour nous gérer la lycée des jeunes filles là, un partenaire c'est UNICEF qui loue un espace pour nous loger lycée des jeunes filles pour plus de 2 ans. Parce que côté OTI, dans ce ministère là, eh bien, très bientôt, il va construire le ministère là-dedans. Ça va être les locales uniques là. Bon, maintenant de faire nous ça, ministre, c'est la plus haute autorité que nous faisons. Mais comme n'a pas eu de lycée des jeunes filles, lui loger dans l'autre espace, mais il a pour au moins 2 ans, parce que côté OTIA, c'est Marie-Jeanne, côté OTIA, c'est la ministère là qui a construit, il a pas le reconstruit, le ministère de l'Éducation nationale. Ok. Et oui, je crois qu'il y a une conférence qui a baillé, le ministère là-bas, matin, qui vient pour avec le même dossier. Ça, et connaît-il de lycée Jean-Marie Vincent, ou quoi gagné l'école? Lycée Jean-Marie Vincent. Le lycée Jean-Marie Vincent, lui-même qui malheureusement, est dans la même situation en tout, et pas plus tard que semaine dernière là, gagné une quantité et l'autre déplacé qui vient, je me rencontre avec une organisation partenaire qui dit qu'il y a environ 900 personnes qui viennent en plus, mais c'est des bagages que moi dénoncé, puisque pratiquement, le passé devant l'ICA, il y a des constructions qui ont fait. Ça veut dire, l'on a construit pour mon nous, l'on a construit, et c'est comme si pour moi, ça c'est citoyen qui a parlé, c'est comme si on n'a pas encouragé mon nous. Moi-même, c'est des trucs que vraiment dénoncé, parce qu'il n'est pas possible pour moi-même, c'est l'école, c'est l'espace là que j'ai besoin. Et bien, dans un moment, il y a des constructions qui ont fait pour qu'il y ait des gens qui viennent pour nous loger. Ce n'est pas possible de dénoncer. Je pense que. Non, mais là, on va parler de ONG qui ont même construit dans l'espace. Là. Je ça, même parler. OIM. Si vous passez dans l'ICA, il y a une construction qui a fait. Et c'est pas pour Emmanuel Salut qui a fait, non? Si une construction a fait pour vous mettre les gens qui ont déplacé. Or, élèves ont besoin d'espace. Élèves ont besoin d'espace pour fonctionner. Non, mais les a fait ça, par exemple, on dit, oui, on connaît quand même son espace qui est l'école et nous dans la période à année scolaire là. Donc, arriver à mettre construit, pour ça, il n'y a pas aidé, mon yo, quitter espace là, non, permettre que construction ça, il n'y a pas fait, bah, qu'on ait de conseil avec autorité, yo, chercher de l'autre espace pour mon yo, au lieu que yo utilisé l'école là, espace l'école là pour
mettre des infrastructures qui ca permettre que mon était là pendant un an, deux ans, parce que si non, c'est il va vous dire moi pas mal visiter moi gain histoire, il y a peine à construire là, ça c'est moi parle avec la mairie, me parle avec magistrat et tabara, il dit lui même il pas au courant, pas autorisé faire ça. Donc moi c'est ça, c'est des bails qui mérite dénoncer, parce que élèves ont besoin espace, élèves ont besoin retourner la caillou côté où il y a on espace prêté faut retourner la caillou à l'aise. Donc c'est ça la demande pour et au plus haut niveau, au plus haut, garder sur carreau, c'est beaucoup plus avec question et déplacer par contre qui arrangement qu'a fait pour que en janvier ministère de l'éducation nationale va récupérer tout espace là et puis pour prendre toute disposition réparer ça qui est pour réparer pour faciliter que l'école publique, l'école nationale, lycée, retourner la caillou sans problème. Et les